Et puis salut à tous, bienvenue pour cette toute première vidéo de la chaîne Lilage Foot. On va parler de foot sous toutes ses formes. On parlera d'équipe, on parle d'équipe, de joueurs, des règles du foot, de tout ce qui touche au foot. Et pour cette première vidéo, je vous propose qu'on parle des règles dans le foot. Car quand on parle d'un sport, c'est ou d'un jeu en général, c'est toujours bien de commencer par ces règles, de comprendre de quoi il s'agit. Mais nous n'allons pas parler des règles basiques comme un penalty, un coup franc, ou je sais pas moi, une touche. Enfin, pas des règles basiques comme ça, parce que tout le monde les connaît. Mais on va parler des règles un petit peu insolites, un petit peu inconnues, cachées, que vous ne connaissez sûrement pas, pour vous apprendre des choses évidemment. J'ai fouillé un peu de partout sur YouTube pour vous trouver des règles qui sont vraiment très intéressantes. Je remercierai d'ailleurs les sources en fin de vidéo. Et c'est ma première vidéo sur cette chaîne, alors s'il vous plaît, soyez indulgents. Et si je fais des erreurs, bah désolé, mais voilà. Et si vous voulez une partie 2 de cette vidéo, bah vous savez quoi faire. Mettez ça en commentaire et likez. Et bon, je vous le rappellerai à la fin, bien sûr. Allez, c'est parti pour cette première règle. On va parler de 5 règles. Donc c'est parti pour la première règle insolite du foot. Let's go. Cette première règle, déjà, c'est spéciale en soi et devrait pas arriver très souvent dans le foot. Je vais vous l'énoncer. Un joueur ne peut pas marquer contre son camp directement après une remise en jeu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Et ben, en gros, juste après un coup d'envoi, un coup franc, un corner, une touche, ce qu'on appelle donc une remise en jeu, un joueur ne peut pas marquer totalement contre son camp. Cela provoquerait donc un corner au lieu d'un but contre son camp. Pourquoi? Je ne sais pas. Évidemment, le corner est pour l'équipe adverse, bien sûr. Mais par contre, si le gardien touche la balle et qu'elle rentre dans le but, là, le but est accordé. Ne me demandez pas pourquoi, si les règles du foot, on n'est pas là pour se poser des questions. Donc là, vous ne comprendrez sûrement pas, donc je vais vous mettre aux situations. On va dire qu'il y a un défenseur qui a fait un coup franc de sa surface pour l'envoyer loin, faire un dégagement, faire avancer le jeu. Bref, vous avez compris. Sauf qu'on va dire qu'il y a un énorme coup de vent. Donc, ce qui fait que quand il tape dans le ballon, au lieu que ça aille devant, ça va derrière lui et ça fonce tout droit vers sa cage. Le gardien, on va dire que c'est une passoire. On va dire que un garde nul, je l'ai pas tellement en tête. Bref, on va dire que c'est une grosse passoire, il n'arrive pas à l'arrêter. Mais le défenseur arrive à bloquer la balle avec sa main. Là, qu'est-ce qu'on fait? Là, vous me direz, penalty et carton rouge. Vu que c'est une annulation d'une occasion manifeste de but. Et penalty, oui, vous avez raison. Mais il n'y a pas carton rouge. Et là, vous me direz, mais pourquoi? Bah, tout simplement parce que si vous aurez écouté, vous saurez que quand un joueur marque directement dans ses buts à partir d'un engagement, pas d'engagement de remise en jeu, et bah, il n'y a pas but, mais corner. Donc ce n'est pas une occasion manifeste de but. Donc on met un carton jaune pour la main et pas pour le fait que ça aurait dû rentrer. Donc ce qui fait qu'il y a juste corner pour l'adverse et carton jaune pour le défenseur. Quand on réfléchit, ça paraît un petit peu logique. Bon, maintenant qu'on a bien vu cette règle, passons à la deuxième règle de cette vidéo, si vous voulez bien. Très bien, donc pour cette deuxième règle, je vais vous montrer une petite vidéo et je vais vous montrer ce qui ne va pas dedans. Donc comme vous l'avez vu dans cette vidéo, il y a le joueur de l'Inter de Milan, Perisic, qui fait une jongle puis une tête pour la passer à son gardien. Et ça, vous me direz, mais alors, il y a un bizarre, il n'y a rien de mal là-dedans. Et bah pour les arbitres, non, parce que ça, c'est une faute. Parce que ça, en fait,
C'est une faute et ça fait carton jaune, donc pour le gardien. Pardon, pour le joueur, je veux dire, donc pour Perisic, et coup franc indirect à l'endroit où le gardien a reçu le ballon. Car dans les règles du foot, le gardien n'a pas le droit de prendre le ballon de la main si le joueur de son équipe fait une passe délibérée. Si c'est près du pied, interdiction de prendre le ballon de la main. C'est comme ça, on n'y peut rien. Tout cas, surtout quand c'est pas dans sa surface. Là, dans la vidéo, il y était, mais c'est quand même très spécifique et c'est pour ça qu'on verra pas souvent ça en match. Mais là, c'est comme ça. Et ça contourne la loi 3 du football. Donc, la loi 1, le terrain. Loi 2, le ballon. Loi 3, le joueur, de viser le joueur, etc., etc. Il y en a 17 en tout. Je vais pas toutes les énumérer. Ça ferait quand même un peu beaucoup. Ce qui veut dire qu'un carton jaune est coup franc en direct, et que même si, disons, le gardien il fait une passe lobée pour son défenseur et qu'il demande de la renvoyer d'une tête pour qu'il reprenne dans les mains, et bah c'est pareil, carton jaune pour le joueur et coup franc indirect à l'endroit où le gardien a fait la faute, du coup. En tout cas, c'est vraiment un très bon coup franc pour l'équipe adverse, ce qui serait vraiment tout près de la cage, ce serait pas fait pour eux. Rien à dire. Bon, bref, passons maintenant à la troisième règle. Donc, cette troisième règle est plus courte à expliquer et plus simple que les deux premières. Prenons en situation. On est à un coup franc. Donc, il y a quelqu'un qui tire le coup franc et les attaquants, c'est-à-dire les joueurs de l'équipe. Donc attaque, c'est-à-dire ceux qui tirent le coup franc, n'ont pas le droit de se mettre à moins d'un mètre du mur du coup franc. Pourquoi? Ça pourrait gêner les joueurs qui défendent déjà, ce serait bien plus dur pour eux. Ensuite, ils pourraient semer le carnage dans le mur du coup franc. Bref, par précaution et pour pas avoir de blessés, c'est mieux de les mettre à un mètre. Voilà. Par contre, ils ont le droit de se coller au mur avant que leur coéquipier tire, mais dès qu'il s'apprête à tirer, là, faut vite se mettre à 1 mètre. Enfin, en tout cas, à plus d'un mètre du mur du coup franc. Sinon, c'est faute. Sinon, c'est faute. Il peut avoir des avertissements, comme des cartons jaunes, enfin des cartons rouges. S'il y a vraiment bagarre dans le mur. Mais bon, c'est juste, il reste à moins d'un mètre, j'imagine. C'est juste un avertissement ou un carton jaune. Mais il faut quand même pas faire ça. Ah, quand même, cette saison a vraiment été très longue et très très difficile, surtout pour nous les Lyonnais, 7e, c'est quand même pas ouf. Pourquoi je vous parle de cette saison? Bah, simplement parce que cette règle va prendre comme exemple un événement de cette saison. C'était au mois d'octobre, je crois, c'était un match entre le Paris Saint-Germain et le Stade Brestois. Je vais vous montrer des images du coup et des commentaires. Donc, quand vous voyez cette image, il y a donc Neymar qui se fait tacler par un joueur de Brest. Attaque par derrière, l'arbitre dégaine son carton rouge pour que le joueur brestois, il sorte. Logique, on voit que c'est une annihilation d'occasion manifeste de but. Vous connaissez maintenant. Mais il se passe quelque chose. Mais il se passe quelque chose. Donc, on voit cette image. Neymar était en fait hors jeu. L'arbitre assistant le dit. Donc, l'arbitre principal de ce match enlève le carton rouge au joueur de Brest, mais même pas de carton jaune. Pourquoi me direz-vous? Il l'a fait un peu par derrière, c'était très dangereux, il aurait dû avoir un rouge, voire un jaune, enfin, il aurait dû avoir un jaune, voire un rouge, avoir aucun carton, c'est quand même grave. Et ben, simplement parce que chaque carton a une raison, et là, la raison c'était que le joueur de Brest a fait une annulation d'occasion manifeste de but. Mais comme il y a eu hors-jeu, donc, il ne devrait pas y avoir eu but. Donc, eh ben, il n'y a pas de carton. Et le jeu peut continuer. Ah oui, il n'y a pas de carton. Mais par contre, il y a quand même un coup franc en direct. Faut pas exagérer non plus. C'était quand même très dangereux. Certes, il n'y a pas de carton, mais coup franc. Attention.
Par contre, ce que je n'ai pas dit, c'est que si le tacle se fait après un lancer du hors-jeu, c'est-à-dire Neymar, on va dire, il était hors-jeu depuis je sais pas combien de temps, genre tout le monde sait qu'il est hors-jeu, mais qu'il y a quand même un défenseur qui fonce sur lui et qui le tacle, et qu'après il roule sur 30 mètres, et qu'après il va à l'hôpital, et qu'après il va au poker aux États-Unis, ok, je vais trop loin, qui le tacle alors qu'il y avait déjà hors-jeu, on le sait tous. Et bah là, on lui met quand même un carton rouge pour comportement dangereux. Carrasco a exprimé ses buts, vu qu'on sait qu'il n'y avait pas but, vu qu'il était hors jeu. Mais t'as pas le droit de tacler comme ça n'importe qui, même s'il est hors jeu, c'est ridicule. Donc il y a bien mouvement dangereux, très, très dangereux, très violent même. Donc on lui met un carton rouge et coup franc indirect du coup. Tout à fait logique. Bon, maintenant passons à la cinquième et dernière règle de cette vidéo avant de nous quitter. Cette dernière règle est un peu plus chill, un peu plus tranquille, un peu plus simple à comprendre, mais quand même insolite, car oui, si tu es joueur de foot, tu peux te faire expulser avant un match. Tu te dis, mais on n'est pas encore sur la pelouse, on ne peut pas encore se tacler, les arbitres ils sont pas encore là, que c'est qu'on peut être expulsé. Et bah si, tu peux quand même être expulsé, car si par exemple dans les vestiaires ou dans le couloir avant d'entrer sur le terrain, voire même dans le parking, il y a une désertification, il y a des insultes, il y a des coups, il y a une bagarre générale, tous ceux qui ont participé à ça sont expulsés. L'arbitre a le droit de le faire. Même si ça fait des mois que t'as pas joué, t'as enfin joué ton premier match après une très longue absence, il s'en fout. Et tu ne laisseras pas jouer si tu fous la merde avant le match. C'est comme ça. Donc là, il n'y a pas vraiment de situation particulière, c'est juste tu peux te faire expulser, c'est comme ça. Hein. Et un exemple tout fait pour ça. Donc je vais vous montrer l'image, ça va vous remonter la mémoire. Coupe de l'UEFA, enfin Europa League. Match entre l'Olympique de Marseille et le Vitória Guimarães. D'ailleurs, pour les fans de l'OM qui me suivent, désolé, mais je suis quand même obligé de parler de ça. Quand Patrice Evra met des high kicks dans la tête des supporters pendant l'échauffement de Marseille, je crois pas qu'après il a pu jouer le match dans les bonnes conditions. Hein. Il a bien été expulsé et ouais, c'est tout à fait logique. Je n'ai rien contre Patrice Evra, fallait juste que je dise ça, parce que franchement. C'est vrai que c'est grave et que sur cette chaîne, on aura bien parlé à un moment de ce moment légendaire. Bah voilà, c'est tout pour la dernière règle. Bon bah voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé la toute première vidéo de la chaîne. Ça fait vraiment extrêmement plaisir. J'ai mis du temps à la faire et c'est très compliqué. Et il y a des moments où je me suis dit, ouais, je vais pas la faire. En fait, vas-y, je vais la faire. Là, j'ai tout donné. Là, normalement, elle sort ce samedi. Peut-être que vous la regardez le samedi, le dimanche, le lundi, je sais pas. En tout cas, merci beaucoup. Sachez que tous les samedis à 16h, je ferai une vidéo sur cette chaîne. Ça parlera du foot. J'ai déjà énormément de concepts en tête que je suis sûr qu'ils vont vous plaire. Tous les jours à 12h30, vous aurez également l'actualité de l'Olympique Lyonnais, mon club de cœur, en shorts, du coup, pour ceux que ça intéresse. Je sais qu'il y a beaucoup de fans de l'OL qui me suivent, particulièrement sur mon compte Instagram Gone Toujours, qui a atteint les 200 abonnés hier. Je suis vraiment très content, merci, merci beaucoup. Donc oui, je vais aussi remercier les sources de ces vidéos, donc merci beaucoup aux youtubeurs RG28 et Unisports FC. Les liens de leur chaîne seront évidemment en description. Je sais pas quoi dire d'autre. Et aussi, pour ceux ici... Oui, vous, je vous parle. Pour ceux ici qui aiment aussi le gaming, eh ben, il se trouve que j'ai aussi une chaîne gaming qui va bientôt atteindre les 50 abonnés. Et le lien également dans la description, ça s'appelle juste Lilage, voilà, simple, basique. C'est une chaîne de gaming, je vais faire des vidéos un peu comme celle sur ma chaîne foot pendant les vacances d'été, ça me laissera beaucoup de temps pour les faire. Je pense que j'en ferai aussi une ou deux par semaine, on verra. Des shorts sur l'actualité du jeu vidéo sortiront aussi sur cette chaîne tous les jours à 12h30 à peu près aussi je crois.
Vous pouvez aussi me retrouver sur la chaîne YouTube Gangoël, qui est une chaîne où on fait des lives, où on parle de l'Olympique Lyonnais, on fait des débats, des choses dans le genre. Il y a aussi des shorts sur cette chaîne, que je sortirai d'ailleurs aussi sur cette chaîne. Là, pour l'instant, on est en pause, mais on va bientôt reprendre, et ça va péter. Vous allez fuir. Enfin non, vous devez fuir, vous n'allez pas fuir. Bref, je parle un peu trop. Si vous voulez une partie 2, mettez des likes, mettez des commentaires. Merci beaucoup d'avoir regardé, c'était Lilage Foot. J'essaierai de trouver un meilleur nom. Et ciao tout le monde! Thank you.